L'avenir de la forêt en zone de savane sèche et en zone sahélienne dépend de la promotion d'une vision liée à la biodiversité associée au business. Par biodiversité associée au business, je veux dire par là qu'il est indispensable de prendre en compte les préoccupations environnementales, mais également les préoccupations humaines. Un bon exemple pour ceci, c'est le fait que on s'est retrouvé dans le cadre du projet du PROPFE dans la région de la Seine-Nord, en train de doter des groupes de femmes en unités de transformation qui leur permettraient de pouvoir transformer les produits forestiers non ligneux en matière directement commercialisable sur le marché. Plus tard, les acteurs et actrices qui étaient impliqués dans le processus se sont rendus compte que le processus de transformation n'était possible que si en amont, ces acteurs-là se retrouvaient en train d'avoir une certaine pérennité dans la présence des matières premières. Ce qui a motivé plusieurs femmes, plusieurs réseaux de femmes, à s'investir davantage dans les initiatives de reboisement, à ceci afin de pouvoir bénéficier de la présence de ces matières premières pour pouvoir assurer la chaîne de valeur, que la chaîne de valeur fonctionne normalement. En plus, dans la promotion des acteurs de reboisement, il est indispensable de tenir compte des intérêts de tout un parti, de tous les différents acteurs. Cela veut dire que si on a dans un cercle fermé les personnes qui ont des intérêts agricoles, des intérêts liés au pastoralisme, liés à la collecte du bois énergie, du bois de service et même de la paille pour la construction, il est indispensable dans les acteurs de reboisement de prendre conscience de tout, du fait que chacun de ces éléments est interdépendant. Alors, si chaque acteur trouve son compte, on a pu noter qu'une vision holistique motivait davantage les acteurs à s'impliquer dans ces différentes activités-là. Pour la suite, il est indispensable également pour la fin que les acteurs prennent conscience que l'environnement nous offre tellement d'opportunités et c'est à nous de voir comment sauvegarder nos intérêts sans toutefois nuire à l'environnement.